joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Félicitations, c'est de la part de toute l'équipe. Pourquoi vous êtes déguisé en Bugs Bunny? Votre oncle pensait que ça serait plus festif s'il y avait une mascotte. On peut vraiment vous faire faire n'importe quoi. J'y crois pas! Une fracasseuse édition de luxe! Et la lame est en adamantium. Rien n'est trop beau pour ta machouquette. Et regarde, on a prévu quelque chose pour que tu puisses l'essayer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Relâchez-moi, je vous en prie! Je suis personne, moi! Juste une professeure de mathématiques! Déjà 2 ans qu'on l'a subi. On ne les voit pas grandir, n'est-ce pas? Eh non, c'est comme la mauvaise herbe. 18 ans, l'âge de raison. Du permis de conduire. Du droit de vote. Des relations sexuelles légales. Il y a autre chose que du jus de pomme à boire, là. J'ai besoin d'un truc beaucoup plus corsé tout d'un coup. Vous en taperez bien une tranche, hein? Hein? Je... Non, pardon? Du gâteau. Moi aussi, mais je vous déconseille d'approcher. Hein. Gladys a décidé que c'était le sien. Monsieur Truman, je sais que c'est un peu soudain, mais je dois vous demander votre permission. Les toilettes, c'est au fond à gauche. Et à moins que vous ne chiez de la lave, vous n'avez pas besoin de ma permission pour les utiliser. Non, 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 ce n'est pas ça. Je voulais vous demander la permission de sortir avec votre fille. Non mais faut pas vous mettre dans des états pareils, mon vieux. Je voudrais bien vous y voir, docteur. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre mon cœur à quelqu'un comme ça. Et c'est virtuellement torché avec. Elle était pas vraiment glamour, votre métaphore. Non, mais elle est vraiment de circonstance. Je me sens vraiment comme une grosse merde. C'est pas la première fois que je tombe amoureux, vous savez. Mais Cindy, c'est la première que je rencontre avec qui je sens que ça peut marcher sur la longueur. Ah, je vois. La quarantaine approche et vous pensez à fonder une petite famille. Ouais, non. Je pense plutôt que, contrairement aux autres, Cindy pourrait survivre à notre première dispute. Pardon? Je suis pas idiot, docteur. L'amour, l'harmonie, la symbiose permanente mutuelle, je sais bien que ça existe que chez les Ingalls et Dr. Quinn. Une relation, ça rime forcément avec prise de bec, concession et engueulade. Le problème, c'est quand on vient m'emmerder un peu trop parce qu'il y a mes chaînes qui traînent dans le salon, bah, je sais pas me retenir et... PAF! Ça part. Mes nanas précédentes, au premier revers dans la gueule, elles explosaient. Littéralement. Il y a plus sympa pour occuper sa soirée que d'essayer de rattacher la maxillaire inférieure au cadavre de son ex. Cindy, elle, je sais qu'elle encaisserait sans broncher. Peut-être même qu'elle m'en balancerait une en retour à me décoller les tympans. On aurait formé un si beau couple. Visiblement, et même si sur un plan personnel ça me dépasse un petit peu, vous êtes convaincu que votre idylle pour le moment exclusive a un avenir. J'y croyais ferme, docteur. Bon, puisque vous êtes réaliste à propos des relations amoureuses, allons-y franco. Un coup de foudre, ça peut se provoquer, vous le savez. Avez-vous vraiment tout tenté pour que Cindy s'intéresse à vous? J'ai même pas pu commencer. Alors pourquoi ne pas tout donner maintenant? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce qu'il est lourd avec son amourette? T'as bien fait de l'envoyer paître. Ce n'est pas à moi de décider qui tu vas fréquenter. Merci de pas jouer les paternels réac. T'es assez grande pour choisir toi-même tes partenaires maintenant. Mes partenaires? Bah tu auras beau rester à mes yeux ma pouponnette d'amour qui salissait ses couches 6 fois par jour, j'imagine quand même qu'à ton âge... Ok, moi j'y vais. Hein. Mais comment tu peux imaginer des choses pareilles? T'es mon père! Aider ta mère à mettre au monde Gladys, ça rend un homme pragmatique. Mes petits oiseaux quitteront bien un jour le nid pour perpétuer le génome. Papa, je te jure, si t'arrêtes pas tout de suite, je vais... J'y vais! C'était qui? On va avoir un gros problème. C'était encore lui? Il est tenace. Tu sais, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de cool.
Mais là, s'il continue... Cindy, Priscilla, Truman, va me chercher le fusil! Cindy, elle s'appelle Cindy, elle me rentre l'esprit, avec ses couettes et ses neuroses, et sa grosse rage qui me rend tout chose. Même si je sais qu'elle ne veut pas s'accoupler. Attention, hein, c'est un engin de précision. Et vous me rendrez mes lunettes. Rebecca, il y a quelque chose que je dois te dire. Oh, John David, quand tu me parles comme ça, mon cœur bat la chamade. Rebecca, je suis ton père. Oh, monde de merde. Bon, ça va vraiment trop loin maintenant. Yes, yes. Je suis désolé, mon cœur, mais on n'avait pas vraiment le choix. Ah, mon amoureux. C'est un peu vache quand même. En même temps, j'avais jamais précisé avec quelle fille il avait rencard. Quand on y pense, ça fait un peu exploitation de mineur là. Bloody s'en remettra. Pas. Ça va pas si mal ce costume de lapin. Lapin ?